Oh. Дорогой фанат метро, то, что вы сейчас слушаете этот текст, говорит о том, что наша игра вас заинтересовала настолько, чтобы начать ее заново. Значит, команда 4A Games все эти годы старалась не напрасно. Очевидно, что не все из сделанного и задуманного нами вошло в финальную версию. В этих дневниках мы рассказываем вам о результатах кадров момента. Они вам будут интересны. Приятной игры.
Chum, reste avec nous. Comment tu te sens? Ils reviennent, écoutez-moi. Oh, regarde, le héros. Voilà, bouge de là. Il fait nuit à la station. T'en fais pas, j'ai prévenu. D'accord, les d'accord, d'accord. Ouvre. En avant. Artyom s'est encore fait une balade kamikaze à la surface. Faut gosse. Il s'est pris une explosion de trou. Hé, hey, monsieur, attends une seconde. On va où, là? À gauche, on traverse la place. Dis, Damir, tu crois que le colonel sait ce qu'Artyom fabrique? Comment tu veux que je le sache? Demande-lui toi-même, il a appelé le commissaire. Il a dit qu'il arrivait demain. Hé, hey, vous, laissez-le tranquille. Je l'ai tué moi-même avec mon lance-pierre. Bah, laisse, faut bien qu'il apprenne à se défendre. Sinon, comment il pourrait survivre dans le métro? Un boulet de temps. Tiens le coup, Artyom. Une dose de sang spartiate tout frais arrive. Tu es réveillé? Tout va bien. Le docteur n'est pas inquiet pour toi. Tu essaies de me faire mourir d'inquiétude. Et si tu ne reviens pas de la surface la prochaine fois? Il n'y a personne d'autre, Artyom. Personne à trouver, personne à qui parler. S'il y en avait, tu ne crois pas qu'il serait déjà là? On en a parlé plusieurs fois déjà. Il faut que tu l'acceptes. Il n'y a plus que nous. Colonel! Salut, Alex. Te voilà, crétin entêté! Combien de fois on va devoir avoir cette conversation? J'en ai rien à faire que tu te tues à cause de ton rêve imbécile! Mais tu te rends compte de ce que tu fais subir à ma fille? À ta femme? Papa, je t'en prie. L'ordre est à court d'hommes après la bataille pour D6. Mais toi, tu t'en vas! Tu joues les égoïstes, alors que les gens ici ont besoin de toi! Il faut arrêter les conneries, maintenant! Le métro, c'est tout ce qu'il y a, rien d'autre! Et l'ordre est là pour le défendre! Parce que si nous, on n'est plus là, il reste qui? Tu m'as l'air en état, alors prépare-toi à partir. Après, on discutera de ton transfert pour police. Bien, il faut qu'on parle. J'appelle le docteur. Artyom, s'il te plaît. Tu me promets que c'était la dernière fois. On se voit plus tard. Artyom, on a réussi à te remettre sur pied, mais... les gens te donnent leur sang qui pourrait sauver tellement de blessés. Et à chaque fois, tu nous le rapportes irradié. Tu trouves pas ça un peu injuste? Je vais te dire ça autrement. Je peux pas te promettre que j'arriverai à te sauver la prochaine fois. Tout de même, heureusement que les Spartiates sont doués. Ils ont ramené Artyom juste à temps. Comme tu dis, je n'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où j'ai vu des gens en bonne santé et en forme ici. Moi non plus. Начало истории в Москве не всегда было таким, как сейчас. На раннем этапе оно более точно следовало книге «Метро 2035». Артём много времени проводил на родной ВДНХ, затем исследовал пустынную поверхность Москвы и лишь в самом финале обнаруживал поезд и базовый шлюз. Альтернативный вариант развития событий обходился без ВДНХ, а уровень начинался сразу с раскрытия Артёмом и Анной заговора Гарри. В итоге мы совместили оба подхода и отлично наиболее интересно. On aura de la chance si on тient 5 ans. Pas d'antibiotiques, pas de fil de suture. C'est pour ça qu'on peut pas se permettre de laisser nos meilleurs combattants prendre des risques inutiles. Qu'est-ce qu'on fera si tous les Spartiates reviennent irradiés comme Artyom et que les fachos tentent quelque chose? C'est précisément pour ça qu'ils vont là-haut. Ils savent qu'on ne résoudra rien en restant planqués dans nos trous.
Raven. Les réserves s'épuisent, on est de moins en moins nombreux. Alors que les mutants ont quoi quand même. En taille, on n'a pas de confortable de la folie. Rien à voir avec eux. Oh, j'en crois pas mes yeux. Artyom, tu vas bien? Juste là, Jules. Artyom, comment tu vas, mon pote? T'as l'air en forme, à ce que je vois. Excusez-moi, messieurs, faites place. Hé, Artyom, encore une ou deux cicatrices et plus aucune femme ne te résistera. Parce qu'on peut... comment les toujours aussi les gars. Obsédé. Laissez-le respirer. Bon retour parmi nous. Salut, Artyom. Ok, c'est bon. Je vous accorde une pause. Vous avez 2 heures. Ouais. C'est officiel. J'en étais sûr. Du coup, j'ai apporté quelque chose. Et c'est reparti. Essayons de ne pas abuser autant que la dernière fois. Tiens bon, Artyom. Toujours rien? Artyom, tout ce que j'entends, c'est le cliquetis du compteur Gégère. Ah oui, et il y a aussi ces maudites saletés qui croissent sans arrêt. Chérie, rentrons, je t'en prie. Tu ne crois pas que ça me plairait à moi aussi de vivre sur une plage ou dans une belle forêt? Mais à quoi bon rêver dans un monde devenu muet? Muet, Artyom, parce qu'il est mort. On a un peu traîné. Il est temps de changer de filtre. Avance. On n'a pas besoin d'encore plus de radiation. Bon sang, mon père va me tuer s'il découvre que je suis montée avec toi. Et plutôt 2 fois qu'une s'il apprend qu'on est allé dans un secteur interdit par Hansa. Tu as visité toutes ces ruines? L'étendue des dégâts. Et Moscou avait la meilleure défense anti-aérienne de tout le pays. Si la ville ressemble à ça, imagine l'état du reste du monde. Un démon. Prenez un peu trop ses ailes. Écoute, peut-être que tu devrais revenir dans l'ordre. On emménagerait à police. Mon père dit qu'il nous trouvera un appart. Parce que si on n'est plus là, il reste qui? Un appart, avec une cuisine et une douche. Passons chacun notre tour. C'est pas assez stable. Attention. Au moins ça a tenu. Bon, je crois qu'on est tiré d'affaire. Ouh. T'as entendu? Éteins cette lumière. Ils ont dû nous entendre descendre du toit et décider de nous tendre une embuscade. Ils sont de plus en plus malins.
t'entends? C'est une meute. Manquait pour ça. Heureusement que les mutants se détestent entre eux tout autant qu'ils nous détestent. Je vois vraiment pas pourquoi ce secteur est interdit aux sauteurs. Les radiations et les monstres ont rien d'extraordinaire. La meute est là. Bon, est-ce qu'on la joue face aux Thermopyles ou est-ce qu'on les laisse passer? Tu ne bouges pas. On dirait qu'il y en a plus. Heureusement qu'ils nous ont pas remarqués. Ils étaient nombreux. Ouh, c'est pour ça que ce secteur est interdit. C'est vrai que si toutes les meutes sont comme celle-là... Vous auriez dû vérifier avant, connard. Artyom, tu n'as rien. Ces gens, ils sont de Hansa, pas de l'ordre. Ces fumiers. Ils t'ont bien amoché. Ah, mon père va leur faire payer ça. Ils se passent dans votre tas de ruines. C'est ça, Moscou? C'est ça, Moscou? Vous dites ça comme si vous n'étiez pas d'ici. C'est le cas. Notre village est à 200 km d'ici. Quel village? Vous n'êtes pas de Moscou? Un village ordinaire. On est venu chercher le père du gamin. Il est parti pour Moscou il y a un an et n'est jamais revenu. Mais cela nous a capturés. Alors, il y a de la vie dehors? Pourquoi il n'y en aurait pas? Oui, il y a des endroits dangereux et des tas de monstres partout, mais on s'en sort. Artyom, tu avais raison. Il y a bien des gens dehors. On ne savait pas. On pensait être les seuls survivants. Ah, ça alors? Il faut qu'on prévienne tout le métro! Hey, mais vous nous avez amenés au milieu de nulle part! Rendez-leur au moins leur masque!
survivre. On y va. На восток отправлялась целая экспедиция из сотни колонистов. Двухэтажная «Аврора» состояла из десятка вагонов разного назначения, которые могли раскладываться под нужды поселенцев. Когда мы переосмыслили путешествие и решили сделать экипаж менее многочисленным, но зато более живым и уникальным, прежний вариант «Авроры» стал бронепоездом «Гансы» и своеобразным напоминанием нам, разработчикам, о былых временах. Sont passés. Les ouvriers sont fichus. Garde ton arme braquée sur l'ouverture. Si quelque chose en sort, tire. Attention, la plaque tournante se met en marche. Jamais ces conneries, ok? Des animaux. Comment ils peuvent? Qu'est-ce que je peux faire? Un mutant, un hurleur! Un humain?
Comment? Oh! Oh bon sang! C'est ton nom qu'elle crie! Vivant! Tu es venu pour elle? Très bien, très bien. Je vais t'aider. Enfin, je vais pouvoir me rendre utile. Ok, ils ont emmené la fille au chef de la base pour l'interroger. Je ne peux pas te conduire à l'entrée principale et il y a trop de gardes, mais on devrait pouvoir passer par derrière. En route, mais doucement. Si jamais tu te fais repérer, on est foutu. Attends. Évite de marcher dans la lumière. Voilà ce qu'on va faire. Tu te glisses jusqu'à la commande d'éclairage pour l'éteindre, moi je fais diversion. Essaie de faire diversion. Regarde, il y a des ordures. Essaie d'en jeter. Parfait. Maintenant, jette-la. Bravo. Allons-y, viens. Passe, allez. Bonne chance. Pourquoi vous cachez Moscou au reste du monde?
et vice-versa. Parce que la guerre n'est pas terminée. Et vous vous comportez comme des gamins. Tous les gardes seront bientôt là. Mais... tu es mort. Je suis avec lui. Artyom. Vous. Il faut filer. C'est à toi. Ils ont laissé ça poser ici. Il faut qu'on sorte de là avant qu'ils récupèrent. Préparez-vous, les gars. Les gardes. Traversez la cour discrètement et prenez la porte où passent les gardes. Par ici, vite. Allons-y. Toute personne est qui êtes-vous? André Ivanovich Yermak, le conducteur du train. Fiez, atteignez le hangar. Et si tout va bien, je vous sortirai d'ici. Ils me connaissent. Je pourrais circuler facilement. J'ai eu... je te raconterai plus tard. J'espère. Soyez prudents. Artyom, je vois l'ennemi. Donne-moi un coup de main. On n'y voit pas grand-chose avec cette tempête de neige. N'oublie pas ta jauge de visibilité, Artyom. Si tu ne bouges pas trop vite, tu ne passes pas dans la lumière, ils auront plus de mal à te repérer. N'allume pas ta lampe de poche, tu pourrais la voir. Artyom, en voilà. Ils sont deux. Je vais te couvrir d'en haut.
pendant que tu sauves le vieux. Artyom, essaie de descendre par cette échelle, mais sois prudent. Il n'y a aucun danger. Il est tout seul. Morpheret, je te couvre. Je peux l'avoir, les yeux fermés. Les gardes nous laisseront pas partir. Il va falloir s'occuper d'eux d'abord. Artyom, la ligne est sur toi. La voie est libre. Qu'est-ce que je suis content de vous voir. Est-ce que tout va bien? Ça va, merci. Très bien. On n'a pas beaucoup de temps, ils vont revenir. J'avance à la loco, elle devrait être prête. Tu vas monter et activer le mécanisme de la plaque tournante. Et surtout, fais bien attention, on risque d'avoir toute la masse sur le dos. D'autres gardes, à toi! On a besoin de cette plaque tournante. Alerte! Que tous les groupes rejoignent le hangar! Merde. Merde.
masque. Les joints sont prêts à vibrer. Terminé. Très bien. Abattez-les. Quant au conducteur... Comment ça, abattez-les? On s'inspire... On ne discute pas mes dents, soldats. Voyons. On va bien voir ce que le colonel pense de tout ça. Mon colonel, on a un problème par ici. Papa! Les gars! C'est nous! Aidez-nous! Honneur, mais qu'est-ce que... Martial! Mais qu'est-ce que vous foutez là? Tu parles d'une surprise. Colonel, ce sera la cour martiale pour chacun d'entre vous. Très bien. Tout le monde, la ferme. J'arrive pas à y croire. Bordel. Merde. Alors c'est vrai? Tu travailles pour eux? Tais-toi. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, et puis on s'en fout, aucune importance. Vous avez pas idée du merdier dans lequel vous vous êtes fourré. On est coincé. Hansa ne peut pas laisser passer ça. Sans déconner. Les gardiens ne voudront pas. Non, je ne me tairai pas. À quoi sert ce brouilleur? Pourquoi il cache le fait qu'il n'y a pas que Moscou qui a survécu? Là, dans le ravin, il y a des gens, d'autres villes, morts, jusqu'au dernier. Tout le monde la ferme. Des femmes, des enfants. Je vous expliquerai plus tard, en détail. Grand-père, qu'est-ce qu'on trouve plus loin, sur cette voie? La voie est sûre, au moins sur une centaine de bornes. On peut se mettre à l'abri, pas trop loin. Bien sûr, mais il faut se dépêcher. Ils ont appelé le croiseur. Très bien, messieurs. Artyom et Anna viennent de foutre un sacré bordel. Et ils peuvent pas rentrer à Moscou. La loi martiale exigerait qu'ils soient exécutés. Quoi qu'il arrive, il faut que je les fasse sortir de la ville avant que ça se complique. Mais vous, vous restez. Compris, Major? Mes hommes n'ont strictement rien à voir avec ce... Vous savez que c'est pas moi qui suis. Malentendu à propos du brouilleur. Moi, je me battrai pour eux quoi qu'il en coûte. Bien sûr, Artyom, Anna... L'ordre d'en avoir d'autres. Personne. Si c'est pas vous, qui c'est qui? Très bien, Spartiate. Foutez cela dehors et à toute vapeur. Viens avec moi, Artyom. Allons prendre l'air. Je suis contente que les gars nous aient soutenus. On dirait que mon père ne leur avait pas parlé de tout ça à eux non plus. On a passé 20 ans dans le métro à croire que le reste du monde avait été calciné pendant la guerre. Mais ils ont cerné Moscou avec ces foutus brouilleurs, et on n'y a vu que du feu. Un plan parfait. Alors que tu te faisais irradier à la surface, mon père enchaînait les mensonges. Envers toi, et moi, et tout... Et vous, Yakov, alors arrêtez vos conneries, médic.
pensez pas aller bien loin. Juste s'éloigner un peu, en attendant que l'agitation retombe. Et vous avez ouvert le feu. Si vous laissez libre, si on s'arrête. Je devrais vous mettre au taré, et vous ramener pour votre procès. Vous comprenez bien de quoi vous êtes accusé. Désertion, trahison. Vous vous foutez de moi. Moi, un traître. Ça vous étonne? Vous allez où avec ce train, hein? Vous faites une petite balade, peut-être? Non, je ne vois qu'une seule possibilité. Vous avez été acheté. Alors le verdict a déjà été prononcé. On n'aura même pas droit à un procès. Arrêtez le feu. Qu'est-ce que vous emportez? Des cartes? Des plans de défense? Vous voulez vous offrir une retraite au soleil en échange de nos vies? Pour plus compter? Des plans? Trahison! On vous a obéi pendant des années sans poser de questions. On a versé notre sang pour la cause. Vendus? Ils nous ont détruits? Et vous? J'ai été soldat toute ma vie. J'ai consacré mon existence à mon peuple, mon pays. Il n'est pas question que je laisse tout ça à des parasites comme vous. Seulement des traîtres, mais carrément des saboteurs ennemis.